Salut les amis, on est à Vichy, on est dimanche 27 août et aujourd'hui on va aller supporter ceux qui font le complet. Et il y a Céline Bastien des Sharks Triathlon qui le réalise, donc on va aller la suivre, on va aller suivre tous les amis d'Instagram qui étaient là hier pour nous supporter et qui font aussi le complet. C'est parti. Je viens d'aller voir Céline et Martin passer. Je vais me diriger vers leur départ de vélo. Bon, eux seront déjà partis. Céline est déjà bien loin. Je vais me diriger vers le départ à vélo, comme ça je pourrai faire quelques photos. Nous voici sur le parcours du Ironman Vichy. Les gens qui passent derrière moi commencent leur deuxième tour à vélo. Et donc on est venu les encourager. On est venu faire pas mal de photos aussi pour qu'ils aient un beau souvenir. Et donc voilà, c'est parti. Hey, come on, come on! Donc nous voici revenus à côté de l'appartement, donc là où je filmais juste avant, on était quoi, vers le un peu avant le 10e kilomètre à vélo. Et donc nous sommes allés voir, là j'ai fait une grosse série de photos. Là ici, via l'application Ironman, on a vu que Martin et Céline avaient fini leur vélo. Et donc là, je pars à la rencontre de Martin et de Céline. Les encourager, ça va leur faire du bien. Ils sont à peu près à 7 heures de course tous les deux. 7h10 je pense, il fait très chaud, donc la course va être éprouvante je pense sur les deux derniers tours. Les deux premiers, s'ils se sont bien hydratés, bien alimentés, ça devrait le faire, mais les deux derniers vont être particulièrement durs je dirais. Donc voilà, là on est parti, on va aller voir tout ça, je vous fais quelques petites images. Yes! Yes! Allez Céline, yes! C'est bon ça, allez, allez, top 5 là, c'est bon, allez, continue là. Allez, yeah. Allez Céline, allez, yeah. Allez RCBT, allez Maxi, allez va te faire, allez Bertrie, allez, allez là mec, allez, allez bon, allez. Pour ce qui est de Céline, apparemment ça a l'air de bien se passer. Ici je suis toujours à la même place et j'attendais Martin qui apparemment est toujours dans l'aire de transition. Ou alors il court sans puce, ou alors il est mal. Et voilà, j'attends les autres.
voici sur la ligne d'arrivée. Il est 22h38 sur la ligne d'arrivée de Vichy. C'est encore fou, les gens sont top dingue. Ça court encore après 15h30 de course. C'est dingue, les gens sont là pour supporter. Top, vraiment top. Oh!